ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac. Il s'agit de prothèses angulaires ou encore de faux ongles, les avis divergent. Aujourd'hui, au concert de l'utile et l'agréable, ce sont les artistes mode DJ invités, sans oublier l'assiette du mag qui vont prester. La prestigieuse et magnifique Miss Beauté va nous faire son meilleur instant scénique avec son titre Les femmes et les ongles. Quant à DJ invité, lui va mixer deux parcours artistiques. Et oui. Et pour l'afterwork, ce sont les couloirs de la scène du Mac qui vont nous accueillir. Vous savez bien, dans tout événement, il y a toujours un guest. Voilà, il y a la star invitée. Et on a voulu choisir le sérieux. Et puis tout d'un coup, Folie nous a écrit. Il dit, famille, ouais, ça fait 3 ans ensemble. Ah. Grâce à moi, vous êtes célèbre. Oh Dieu, famille, laisse pour toi, Folie. Aujourd'hui, on est très sérieux ici. Bon. Folie a dit, vous n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas votre passé. N'oubliez pas d'où vous venez. On a dit, oh, Folie, laisse. Aujourd'hui, la guest, ça sera sérieux. Folie a dit un seul truc. Un truc! Ça nous a découragés. Ça fait que vraiment, on dit qu'il a raison. On était déçus. Folie a dit, vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Juste à cause de cette phrase, encore, il y aura de la folie au quotidien au Mac 12. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il est 12h et c'est toujours en compagnie de la bande la plus déjantée de la télé qu'on vous offre la meilleure des pauses. Alors, n'oubliez pas que cette émission se veut aussi digitale. Donc rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3TV. Commentez, mettez les cœurs. Et s'il vous plaît, famille, ne mettez pas seulement bonne émission à vous, non! Partagez. Et puis, faites un peu les commentaires au fur et à mesure. Nous, on veut vivre de manière interactive l'émission avec vous. Et quand il y a un truc qui se passe sur le plateau, daignez commenter, daignez juger, daignez apprécier. Tout ceci nous permet en même temps de nous corriger. Exactement. Sinon, les garçons, vous allez bien? Super bien. Folie a dit, il faut que ça dégénère également. Je te dis, hein. Et il faut dire également qu'en ce jour, je tiens à partager cette information avec tous nos téléspectateurs, tous nos Mac 12. Le destin, franchement, il nous a pris par la main et nous a conduit sur un chemin. Le chemin du Mac 12, toujours la grande satisfaction pour nous de partager cette belle sensation avec vous. Vous restez toujours scotchés. Satisfaction, tu l'as dit, si vous regardez bien, vous allez constater que j'ai déjà des larmes aux yeux, ce sont des larmes de joie. Je suis tellement jaillé de vous retrouver que je vais porter les verres. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Je vais chercher le Kleenex pour lui. Alors famille, décor planté, sans que le concert de la joie, oui, où la guest star s'appelle Folie, démarre. C'est qui ça encore, mais c'est Zakenzi. Yeah, c'est Zakenzi. Les gouverneurs, c'est pas dans la bouche, pas scop, on the beat. Je vais confirmer que pendant que je barre, c'est pendant que je dors, et pendant moi je dava, c'est là qu'ils nous regardent. Chagrin les gars, mais je m'en fous. Pour être comme moi, mais faites comme moi. Moi j'ai pas le temps pour parler des autres, mais plutôt le temps pour travailler. Moi j'ai pas le temps pour critiquer, mais plutôt le temps pour avancer. Yeah, pour avancer. Est-ce que tu sais que tu me fais rire? Tu passes ton temps à dire que je vaux rien. Mais dis-moi, tu fais quoi pour me rendre fort? Parfois, je fais semblant d'être malade ou détecter mes amis. Quand je n'avais rien, j'avais pas assez d'amis. Aujourd'hui que ça va, c'est là que tu viens pour coller. Ndawa kole, wa kole, ti komara koufie. Ndawa kole, wa kole, ti komara koufie. Yeah. Ndawa kole, wa kole, ti komara koufie. Ali Pongo premier, Abdouli Yannogo, yeah. C'est qui ça encore, c'est Zakenzi. C'est qui ça encore, c'est Zakenzi.
Kenzi. C'est qui ça encore, mais c'est ça Kenzi. Appelle-moi le roi de ma génération. Tu n'es pas d'accord, tu peux rivaliser. C'est déjà la barque du vieux du quartier. Si je suis béni par mes parents, tu comptes sur quoi pour me comparer? Tu dors seulement, et bosses seulement, s'avance seulement. Toi tu restes à mon dos. Tu chantes quoi là-bas, moi je chante quoi là-bas. Tu chantes rien de gars, moi je chante moins de gars. Tu chantes oui, vous deux, moi je chante oui, rien. I'm your one jour, et c'est pas sans tes. Tu m'en tes, et pour nous sommes golems, tu es mon ton golem. Pour opter ma siriva, ton me t'aime la kiva. Never non ma woto, never rega woto, never rata woto, never kelga woto. Tu fais danser ton quartier, j'ai fait danser les nations. D'abord basse woto, never yelle pas yede. Yeah. C'est qui ça encore, c'est ça Kenzi. C'est qui ça encore, c'est ça Kenzi. C'est qui ça encore, mais c'est ça Kenzi. Yeah, 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 c'est ça Kenzi. Oh. Petit Jean on le mix. Ça Kenzi dans les bacs. Laisse et l'homme, chrome et beurre. DJ invité, déjà en placine et les pranos mixés. Aujourd'hui, les merveilles, hein, les merveilles artistiques de Zach Enzi et aussi de H. Pacino. L'un était slammer, l'autre nous fait du tradit modèle. Mais franchement, je dirais bien que il a choisi sa voix. J'aime bien. Car celui que vous venez de voir, le clip, pardon, que vous venez de voir sur vos écrans, il est de Zach Enzi. C'est l'un de nos invités du jour. Allons voir ce qu'il cache dans son jardin secret. Comment et pourquoi il est arrivé à la musique. On va le découvrir ensemble maintenant. Salut, vous allez bien? Zach Enzi, ça va? Ça va très bien chez vous. Je vous remercie. H. Pacino. Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va bien? Ouais, ça va, ça va. H. Pacino, ça va par la grâce de Dieu. Dis-moi. Oui. Ta copine, elle est jalouse? Jalouse comment? Ah. Non, elle peut pas être jalouse parce que c'est que je l'aime très bien. Donc elle peut pas être jalouse. Mais jalouse. Ouais. Non, parce que moi je demande, hein, parce que je suis sûre que les femmes et l'homme devant ta porte. Hein. Bon. Ah. Pas, pas faux, mais madame sait que c'est elle. Donc, c'est elle. Elle n'a rien à craindre. Ah. Marié, ouais. Tu es marié? Non, je ne suis pas marié, mais j'ai une copine que j'aime très bien. Mm-hmm. Elle savait combien? Hein? Elle savait comment? Bon, je garde le secret, le nom. C'est la partie là qui est. Ouais, il faut toujours préserver. Femme, on sait que la femme de Jay-Z s'appelle Beyoncé. Ouais. Non, ce qui est précieux, il faut préserver le nom. Ouais, c'est important. Sinon, elle sait, elle suit l'émission. D'accord. Je t'aime. Ok. Zach Enzi, toi, tu pousses la chansonnette dès le réveil, c'est-à-dire, tu commences pour draguer, tu chantes aussi. Jean ma chérie Coco, c'est moi, c'est Zach Enzi. Tu fais tout ça quand tu dragues ou... Non. La musique travaille à part et puis. La chanson. C'est côté part, aussi à part. Foyer, ah, part. D'accord, bon, comment tu dragues, dis-moi un peu. Comment tu dragues généralement? Quels sont les mots que tu utilises, les codes? En esprit, bon, j'ai pas trop l'expérience sur ça. Donc, comment elle te drague généralement? Bon, non. C'est moi, mais j'ai pas l'habitude de le faire, donc j'ai pas assez de l'expérience à expliquer sur ça. Hein. Tu fais quand tu envoies un texto sur WhatsApp, bonjour ma chérie. Bon, souvent, tu vois, souvent c'est mieux d'aller en direct. Et bien, sur WhatsApp, là, on n'a pas trop confiance dessus. Donc, souvent, si je vois ce qu'il veut, là, il m'en va dire directement. Ma chérie, s'il faut les doigts. Bon, ok, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Lynn, c'est une dulcinée que tu aimes bien. Je veux que tu dragues Lynn en direct. Hey, en une yeah, man, yeah. Quelques mots. Ça là. Bon, il n'a pas porté des lunettes. Il n'a pas le courage. Non. Bon, je voyais voir. D'accord, alors. Bon, tu sais, depuis que je te voyais, bon, j'ai envie de te dire quelque chose, mais franchement, j'ai peur de vous dire. Mm. En réalité, là, mon cœur vit pour toi. Mm-hmm. Donc, il faut scienter sur moi. On n'a pas scienter sur toi. La gueule, la gueule, non, en fait, c'est fou, mais en fait, c'est ce genre de point d'or là. Ouais. Tu te rends pas compte, ils te font tellement marrer, et puis paf, comme ça, quoi, la relation est démarre. À un moment, est-ce que si la sincérité doit se voiler, je pense que si tu aimes quelqu'un, ça se dit avec la plus grande simplicité. Et puis maintenant, plus dans ces deux-là, là. Non. Pas en bas, ce truc. Alors, donc les garçons, Dieu merci, aujourd'hui, je suis entouré que de garçons. Je cherchais une occasion pour vous poser cette question. Je dis, mais tout le temps, parmi nos invités, il y a toujours une fille. Aujourd'hui, ça, c'est du 100% garçon. Je dis, ah, Dieu merci. Alors,
j'étais dans mes valvales, hein, et puis je suis tombée sur une discussion, tout et tout. Et puis, tac-tic-tac, la go, en tout cas, elle a fait des avances au gars. Et puis, le gars, depuis, il est résistant. Il refuse les avances de la fille. Elle arrive chez lui, elle se met dans des petits trucs, tout ça. Le gars, il la régale pas. Donc, j'entends le palabre d'à côté. Puis, la go, lui dit, si tu refuses mes avances, c'est parce que tu es impuissant. Donc, je me dis, bon, attends, cette allure-là. Normalement, des garçons ne refusent pas avances. Donc, qu'est-ce qui peut pousser un homme à refuser les avances d'une femme? Et puis, généralement, est-ce que c'est normal qu'une femme drague? Bon, ça, normalement, ce sont les garçons qui peuvent me répondre. Je dis, ça tombe bien. Aujourd'hui, là, ma première partie d'émission, c'est du 100% garçon. Honnêtement, donc, les gars, les spectateurs, je vous dis tout de suite, une émission, ça se prépare. Nous, on n'était pas au courant de ça. Voilà. Donc, on nous a pris sur le coup. On ne sait pas. On va discuter de ces thèmes. Mais on va quand même donner notre avis. D'accord. Alors, déjà, qu'est-ce qui peut pousser un homme à refuser les avances d'une fille? Il n'aime pas la fille, tranquillement. C'est parce qu'il n'est pas franc. C'est parce que cette fille ne l'intéresse pas. Voilà, donc si cette fille ne l'intéresse pas, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'elle va faire en termes d'avance, il va chaque fois ignorer. Quand il l'ignore, cela même, ce n'est pas respect. Sinon, il te dit clairement, ma chérie, je ne suis pas fan de toi. Ton problème, c'est quoi? Mais depuis quand garçon refuse les avances? Moi, je ne vous comprends pas. Attendez. C'est moi qui suis venu vers toi. Oui, mais si t'es pas mon genre de femme, si je t'aime pas, si tu me plais pas, ben j'ai rien à foutre. D'accord, DOH. Ah bon, de toute façon c'est pas toujours c'est pas culturel, hein, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres milieux. Surtout, bon, au Burkina, je ne sais pas, l'histoire s'est passée où. Si c'est chez nous, frère du Camer, il n'y a pas de problème, ils sont habitués. Mais chez nous, au Burkina Faso, c'est très rare de voir une femme, franchement, aborder un homme. Et généralement, nous, les Burkinabés, même là, quand femme vient vers nous, là, on dit que celle-là, elle est il y a quelque chose derrière la tête. Est-ce que ce n'est pas un piège? Donc, et puis, quel genre de femme même elle est? Donc, toutes ces questions-là peuvent venir. Bon, ça peut apporter de la frustration. À un moment, je peux même la kiffer. Mais du fait que c'est elle qui soit venue vers moi, ben là, ça apporte une petite réticence également envers elle. Donc peut-être ça peut être sujet aussi de ça peut être sujet également dans ce sens-là, ce qui fait également peut-être que l'homme a un peu peur franchement de s'accorder également à cette avance de la dernière. Bon. D'accord. Alors H Pacino. Ouais. Le singula des slameurs, dis-moi. Moi je suis bien d'entendre. Si une fille te fait des avances, hein, et que tu kiffes pas, bon pas que tu kiffes pas. Pour quelle raison tu peux repousser une fille qui te fait des avances? Déjà, ça dépend, comme DeWash l'a dit, du style de vie de la fille. Ça, c'est un point. L'autre point également, c'est peut-être que tu es déjà engagé sur une autre relation. Ça peut arriver que pour quelqu'un d'autre, tu refuses de faire la passe à une autre fille. Cela justifie souvent le fait qu'il y a des garçons qui refusent les avances d'autres filles pour éviter souvent d'être dans des situations pas très confortables. Il y a ces cas de figure. D'accord. Et le point culminant, comme Jagen l'a dit, soit tu ne kiffes pas la fille. Ça, il n'y a pas de magie. D'accord. Alors, le gars à côté, dis-moi. C'est vraiment compliqué. Zakenzi, dis-nous. Tu fais si. Un peu une demoiselle. C'est du harcèlement. C'est très simple. C'est parce que moi-même, je n'étais pas fan que je ne suis pas venu vers elle. Il ne faut pas qu'elle va trop Les garçons n'êtes pas gentils. C'est normal. Parce que c'est même chose, c'est que nous aussi, on va souvent, toi-même, tu vois la mousseau, tu es fan d'elle, tu t'envoies, tu dis tout, elle dit non. Tu essaies de tout faire, mais elle dit non. Donc, elle aussi, elle est en train de forcer les gars. Donc, c'est même pas possible. Et souvent aussi, ça crée des problèmes. Hein. Parce que moi-même, j'ai déjà vu ça, mais bon, mon français n'est pas à cet niveau que je vous explique non, ça. Non, femme mourir. Voilà, en fait, ma main, c'est même pas mon problème. Voilà. Il pour se rendre tout le monde pour m'assurer au dos. Souvent, je suis en train de me faire des calamités. Je suis en train de me faire des calamités. Je suis en train de me faire des calamités. Voilà. Là, je suis en train de me faire des calamités. Village on gagne maman mais zakon donc on me dit que ça va tourner chez zakon et on gagne ni maman le bigan zin ni maman bitoza donc souvent c'est des choses à ne pas trop forcer. Voilà, c'est comme c'est nous aussi souvent on essaie de forcer derrière une fille, voilà, pour forcer c'est pas simple, mais bon. La question que je vous pose après, c'est quand tu acceptes les avances de la fille qui t'a dragué, après tu donnes l'argent à qui?
Il y a quelqu'un qui porte la culotte dans le foyer. Je me pose la question. Écoute, de toutes les façons, si c'est la fille qui a beaucoup plus d'argent, moi actuellement, je ne suis pas contre le fait qu'une fille entretienne. Bien, hein? Voilà. Donc, bon. On va équilibrer. Les garçons, ils sont équilibrés. Moi, je ne suis pas contre ça. Voilà, si c'est la fille qui débouche de l'argent pour des dépenses et tout, moi, je ne suis pas contre. Maintenant, si c'est elle qui a dragué. Peut-être effectivement que le monsieur c'est un gigolo et qu'il n'est pas fan, il n'aime pas, il ne kiffe pas la go, mais pour quelque chose, pour une raison peut-être financière, il peut accepter les avances de la fille. C'est de ça que je parlais. Donc si à un certain moment, il ne te kiffe pas et qu'il sent que bon, tu insistes, il va accepter pour peut-être pour de l'argent. C'est ce que les filles aussi font souvent. D'accord. Donc peut-être c'est elle qui fait les dépenses. Dans le but également de ce sujet-là, vu que c'est la femme généralement qui vient vers l'homme, vous savez, quand une femme veut quelque chose, elle va jusqu'à bout, elle n'est pas prête à se limiter. Donc elle est prête à se saigner, à travailler, à gérer également ses business. Se faire de l'argent, vu que c'est elle qui aime, et pour investir également dans le monsieur. Oui, parce qu'on connaît la femme dans son engagement, dans sa détermination. D'accord. Alors les gars, c'était juste pour vous échauffer un peu, vous donner un peu de punch à cette émission. Merci beaucoup, c'est bien. Alors vous, vous à la maison, je suis sûre que vous avez dit, s'il y avait un téléphone, on allait appeler. Mais vous savez, il n'y a pas de téléphone, mais par contre, il y a le profil Facebook. On est actuellement en direct via Facebook. Le profil est Mac12-3TV. Je crois que je vais aller en ligne, regarder les réactions. Les réactions, ça c'est vrai. Important. Alors, pour quelle raison un homme ne céderait pas aux avances d'une femme? Et puis, est-ce que c'est normal qu'une femme drague de nos jours? Certes, on parle d'émancipation, mais est-ce qu'on a épousé réellement cette culture? Allez, faites-vous plaisir sur Facebook. De notre côté, on va faire une bonne petite carte d'identité de nos invités. Les gars, nom, prénom à l'état civil. On va commencer par El Pacino. À l'état civil, je m'appelle Rapadem Naba Kiswensida Henri Renault, alias H. Pacino. Rapadem Naba. Rapadem Naba. Oui. Oui. Voilà. Kiswensida Henri Renault. Il y a d'autres enfants après toi? Non, bon, je suis le dernier. Voilà qui s'explique. Ouais, je suis le dernier. En ce moment, il y a le grand-père qui donne. Parce que le nom Harry, c'est le nom du grand-père. D'accord. Voilà, Harry Renault. Donc, de la situation matrimoniale, je sais déjà que vous êtes célibataire. Pas marié. Bon, pas marié. Célibataire international. Il y a des enfants, on veut. Non, international. Quand on dit international. Non. D'accord, les garçons. Alors, date de naissance. Vous avez menti au fait que vous avez 50 ans, là. On va voir ici. D'accord. Lieu et date de naissance. Je suis né à Bobo en 1980. Point d'exclamation. Jimmy Ouattara. Non, pas Jimmy Ouattara, c'est pas Jimmy Ouattara. Je pense que c'est une clinique, mais je pense que la clinique est fermée maintenant. D'accord. Je suis né à Koubri en 1995. Toi, tu es un bon gars, tu vois, tu n'as pas honte, c'est bien. Ça va se retrouver en tout cas dans ton parcours sur internet, on va le retrouver. Ok. Sinon, pourquoi le slam? Le slam, je suis arrivé dans le slam par hasard. Voilà, je n'avais pas pour vocation d'être slameur. Au début, c'était le rap que je kiffais beaucoup. Mais par la force des choses, je me suis retrouvé à Manga en 2012 pour faire le bac. D'accord. Et c'est de là, il y avait une compétition de jeunes talents au centre sud là-bas. Et on m'a demandé de participer. Et lorsque je griffonnais mon texte de rap, il y a un ami qui m'a dit, bon, est-ce que tu peux, tu vois, le texte, c'est mieux de faire du slam. Ça va mieux résonner. Effectivement, je suis allé, j'ai participé à la compétition, j'ai remporté le premier prix. Et depuis ce jour, voilà, le slam et moi. Et non seulement tu enchaînes les compètes depuis lors, mais mon gars, tu es maintenant artiste professionnel, tu es bon, tu es fort. Toutes tes compètes là, c'est quoi l'apport dans ta carrière au fait? Actuellement, je ne fais plus de compétition. Je pense que j'ai arrêté les compétitions depuis 2017, je crois, donc 2018. Parce que, mine de quoi, aussi, les compétitions, c'est le lieu d'apprendre. Parce que plus tu côtoies d'autres slameurs, tu arrives à aiguiser ta plume. Parce que dans une compétition, il y a plusieurs styles qui sont là. Parce que tu peux te dire, je suis le plus fort, je suis meilleur. Mais tant que tu ne pars pas à la rencontre des autres, tu ne peux pas juger forcément ta force. D'accord. À travers ça, je pense que ça m'a permis de pouvoir mieux m'orienter et de choisir un style propre à moi. Parlons également de compétition. La vie en elle-même est une compétition. Voilà, c'est une compétition. Voilà, maintenant, si tu devais peut-être participer aujourd'hui à une compétition, il faudra que cette compétition, par exemple, soit de quelle envergure? Une compétition, peut-être
d'envergure internationale. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Alors, on sait tous aujourd'hui que les slameurs ont commencé à faire leur propre event. Hein. On a vu beaucoup, tout, je ne vais pas citer. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas ça aussi en projet? Venez nous sortir un jour festival, H Pacino, quoi, de slam, un truc comme ça? Bon, pas pour le moment. Moi, si j'ai un projet dans l'événementiel, mm-hmm. c'est peut-être d'avoir une maison de production pour aider les jeunes slameurs qui veulent s'essayer. Voilà. D'accord. Peut-être ça, mon projet. Mais l'événementiel concernant les festivals de slam, je pense qu'il y en a assez. Et si on continue à saturer le milieu par fini, tout le monde sera asphyxié. Donc c'est mieux que d'autres s'orientent vers d'autres milieux. Est-ce que c'est pour dire que les maisons de production aujourd'hui refusent les slameurs ou ne produisent pas les slameurs? Bon, c'est quand même rare, hein. C'est quand même rare de voir des slameurs parce que je pense que la majeure partie des slameurs, ils sont en autoproduction. La majeure partie que je connais, ceux que je côtoie, mm-hmm. peut-être qu'il y a d'autres qui ont la chance d'avoir des maisons de production, mais la majeure partie, c'est de l'autoproduction. Ça, c'est rien. D'accord. Alors, Gassu, Zakenzi, Zak. Alors, Zak, tu nous fais du très bon tragédie moderne. Tu vas croire que tu as eu de bons maîtres. Je veux savoir un peu quels ont été tes influenceurs, comment s'est fait l'apprentissage de la musique. Attends, on va faire pause. Jacken. Oui. Il faut transmettre ce qu'il vient de dire là. Non, il a compris. Tranquillement. On va faire de l'interne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Lynn, t'es français, je vais t'écrire problème sur le plateau. Alors, donc, Jacken, je vais faire simple et court. Oui. Jacken Zio, comment tu as appris à chanter? Tu vois un peu, non? Voilà. Comment tu es devenu aussi bon et talentueux? Merci pour cette question. Mm-hmm. Disons que pour moi, la musique, depuis au village derrière le B de mon papa, mm-hmm. il faisait danser le B de mon papa même. Ah bon? Mm-hmm. Voilà. Donc, pour moi, même la musique, c'était pas une question d'avoir l'argent dessus même. Mm-hmm. Je suis venu dans la musique même sans apprendre la musique d'abord. Et c'est quand je me suis rentré quelques années après que je suis que non. Là où tu es, là, il faut chercher à connaître beaucoup la musique. Parce que depuis au village, j'ai interprété les chansons des vieux pères Yoni, qui avait à l'époque Zuguna Zaramda. Mm-hmm. Bon, après, Flobi aussi est venu. Donc, je mets l'interpréter les chansons de Flobi, les Yoni. Et après, quand je suis rentré à Ouaga ici en 2008, je pense, j'étais mécanicien avec mon grand frère. J'ai fait la mécanique pendant 5 ans. Après, j'ai arrêté la mécanique. Je me promenais dans Ouagadougou pour plastifier le téléphone. Mmh. Bon, j'ai fait beaucoup de travail pour s'en sortir. Voilà. Et puis, après ça, j'ai abandonné pour rentrer dans la couture. Je suis dans la couture. Après, j'ai sauté là-bas aussi. Je suis devenu un brodeur. Mmh. Voilà. Donc, c'est en 2013, j'ai pris ma décision. J'ai dit, est-ce que... Comme je chante pour les autres depuis ça, mais voilà, c'est pas mieux d'essayer aussi de créer pour toi pour voir. C'est là que j'ai essayé, j'ai composé un truc. Bon, mais j'avais pas l'argent. À ce moment, j'étais apprenti à l'atelier du couture. Donc, souvent, même pour avoir à manger, c'est pas simple. Voilà, mais avec ça, je mentais sur mon patron pour dire qu'on m'envoyait au village pour aller voir l'artiste Yoni. Voilà, pour qu'il me soutienne, quoi. Voilà, je vais pas lui déranger même. C'est dérangement, mais en ce moment, je savais pas. Tu vois, je pas dit, ah, Koro, faut voir mon cas, moi, je veux chanter. Il dit, toi-même, tu peux chanter, quoi. J'ai dit, bon, si vous voulez, je vais essayer, vous allez voir. Un jour, il a eu le courage de me dire de chanter, il va voir. Et j'ai fait a cappella, il a écouté. Il avait Home Studio, celui à la maison. Et il m'a fait enregistrer un maquette, si, oui, maquette. Mm. C'est avec ça que j'ai eu le courage, j'ai écouté. À chaque fois, j'ai dit, ah, moi-même, je chante mieux que le fleuve maintenant. Donc, c'est le courage, quoi. C'est que bon. Pas le courage. Il faut se donner la main. C'est vrai. Des bandeaux même dit qu'il est fort. Il faut voilà. Au fur et à mesure, j'ai commencé à connaître un peu la couture. Vers 2015, j'ai commencé à faire contrat. On me paye un peu. Donc, c'est de là que j'ai économisé pour faire mon premier maxi de 5 titres à Safari Production. Voilà. Et sur ce maxi de 5 titres, il y a le titre comme Farafina Moussou. Week of Menga, il y a Gadmore, il y a Boyoure, il y a Sakina. D'accord. Alors, Sakina, on s'est tellement fait focus sur H. Pati, donc on a oublié même de demander ton nom à l'état civil. Pardon, ne fais pas un nom de 5 phrases, s'il te plaît. Zakaria. Allez. Mon nom à l'état civil, c'est Tendrebego Zakaria. D'accord. Ah, t'es le mot de Jacken. Oui, c'est mon nom. C'est un loup, non? Je comprends pourquoi tu as fait Zakenzi. Les dix noms. D'accord. Mais c'est que lui, il est mieux parce qu'il est aussi, en fait. Lui, c'est pas la peine. 100% moussi. Lui, c'est pas la peine. Alors, dans la musique, qu'est-ce qui est plus stressant, la composition ou le rendu?
Je pense que les deux, hein, les deux. Mais souvent, le rendu, c'est là-bas le vrai match. Ah. Surtout pour nous, les slameurs. Mm-hmm. Parce que tu fais un texte, si tu te plantes en plein scène, c'est un problème. Mm-hmm. Surtout que la majeure partie du temps, on fait du live. Donc, quand tu te plantes, c'est un problème. Aïe, aïe, aïe. Mais si tu te plantes, personne ne sait que tu t'es planté. C'est toi qui connais ta musique. Si, mais... Souvent, il y a planté d'en planter. Voilà, il y a planté d'en planter. Parce que tu peux déclamer un texte, tu vas oublier un paragraphe, mm-hmm. tu vas essayer de rattraper. Mm-hmm. Mais si à un moment donné, ça chevauche trop, ça va se ressentir vis-à-vis du public. Ça, voilà. C'est vrai. Pour un slameur qui a appris son texte par cœur, qu'est-ce qui peut l'amener à se planter sur scène, par exemple? Bon, qu'est-ce qui peut l'amener? Je ne dirais pas la peur, mais souvent, le cerveau souvent ne répond pas. Mmh. Voilà, ça peut arriver que peut-être tu es tellement fatigué, mmh. quand tu t'es pas assez reposé, ça arrive quand même, moi, donner tes réflexes diminuent. Mmh. Donc ça peut t'amener à écorner ton texte en et temps. Surtout quand ta copine décide de te quitter. Non, c'est une situation de gouverne. Je peux écorner mon texte, peut-être que je suis fatigué, mais pas parce que... ma copine m'a quitté ou quoi que ce soit. Parce que ça, je me dis, avant de monter sur la scène, comme on le dit chez les acteurs, tu rentres dans ta bulle. Dans ta bulle. Là, je pense que tout ce qui est problème extérieur, ça n'a pas t'impacter sur la scène. Je pense que ça peut être aussi dû peut-être à l'effervescence du public. Voilà, effectivement. Parce que les exemples sont les gens dans ces cas-ci, hein, où souvent le gars il bosse bien son texte. Mm-hmm. Arrivé, quand il dit bonjour, bien, oh, c'est fini. C'est vrai. Sinon, toi, comment tu écris tes musiques? Bon, moi-même, souvent, je n'écris pas, je mémorise directement et puis après, je travaille. Et tu travailles? Oui, oui. Donc, en réalité, je n'ai pas fait l'école, j'ai juste fait cours d'histoire CPD. Mm-hmm. Voilà, donc il faut que je dise la vérité, quoi. Sinon, je ne sais même pas bien écrire. Souvent, je me débrouille. Mais bon, souvent, je force quand même. Alors, je vais me donner votre avis sur ce fait-là. Aujourd'hui, les gens évaluent le succès d'un artiste ou le succès d'une œuvre en fonction des vues sur YouTube. Et déjà, est-ce que vous épousez cette idée-là? C'est-à-dire, est-ce que vous maximisez aujourd'hui plus sur le digital ou sur la promo classique? Je pense qu'on ne peut pas forcément juger le talent d'un artiste en fonction des vues. Parce que les vues, plus tu as les moyens de faire une promo, tu peux te faire 2 millions de vues, 3 millions de vues, mm-hmm. mais ça ne force pas, ça ne révèle pas forcément ton talent. Mais je me dis, il y a beaucoup d'artistes qui sont tellement talentueux, mais par manque de moyens pour faire la promo, ils n'ont pas assez de vues sur YouTube. Mais sur la scène, quand comparé à des artistes qui ont peut-être 1000 vues, 2000 à 1 million de vues, sur la scène, vous voyez que le rendu, ce n'est pas pareil. Mm-hmm. C'est juste souvent le manque de moyens qui amène ça. Parce que le digital aujourd'hui, tu as peut-être 100 000 francs, tu boostes ton clip, tu peux te faire des millions de vues facilement. Même si tu chantes Eli, la, Lolo, la, les gens vont regarder. Mais. D'autres, il peut faire un bon truc, ça porte, mais tant qu'il n'a pas les moyens pour faire la promo, il ne pourra pas faire le million de vues. D'accord. C'est ça. Et parlons de promo, tu es en autoprod? Oui, je suis en autoprod. Ouais, je suis en autoprod. Avec toutes tes compétitions, tout ça, il n'y a pas un producteur qui t'a déniché, qui t'a approché, hein, tout ça? Si, au fait, souvent, les producteurs, ils peuvent t'approcher dès le début, ils vont te dire, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et pas fini, voilà, tu restes là. Ouais. Donc, je me suis dit, après, si tu dois attendre forcément un producteur, tu ne vas pas faire des œuvres. Mm-hmm. Donc, je me dis, mieux vaut aller de toi-même. Si par chance, un monsieur te dit un jour, bon, moi, je vois, j'aime ce que tu fais, je décide de t'accompagner, on y va. Mais si tu dois forcément attendre un producteur pour lancer ta carrière, je pense que, bon, souvent, c'est comme la pluie au Niger. C'est tellement rare de voir des producteurs comme ça. Alors, les gars, moi, j'ai un autre... Je vais dire, j'ai une autre tâche d'huile ici, c'est au niveau des personnes qu'on chante dans les noms, comme on a envie de dire, spotter les personnes dans les noms. Je suis tombée dans un petit débat là, par hasard, moi je tombe toujours dans le faux mouvement. Alors, j'entendais des artistes qui disaient que, pardon, non, franchement, moi je chante plus le nom de tel joueur, le nom de telle personne, le nom de tant. En vrai, il y a plusieurs aujourd'hui qui refusent de chanter le nom des personnes célèbres, comme quoi ces personnes-là refusent d'aider. Vous qui êtes, vous êtes artiste aussi, hein, est-ce que ça vous arrive d'approcher par exemple des footballeurs et consorts et puis ils vous tournent le dos, mais des parties pas de grands mécènes et qui vous aident pas du tout mais qui aimeraient que vous chantiez leur nom?
Bon, moi, jusqu'à présent, il n'y a pas un grand monsieur qui m'a approché pour me dire ça. Bon, souvent, les amis, ils me disent, ouais, dans ton prochain son, dis mon nom. Okay. Voilà, okay. Je vais partager après. Voilà. Mais je me dis souvent, c'est une question de mentalité, de vision. Parce que moi, ça me gêne pas peut-être de donner le nom de DOH dans un de mes sons parce qu'il a eu à mêler sur tel ou tel point. Ça arrive. Mais il y a aussi avec l'avènement du coupé décalé où on fait du 15 minutes de spot, on chante le nom des gens où ils vont payer de l'argent. Il y a ce cas de figure aussi. Souvent, il y a beaucoup d'artistes qui disent, ils vont dire le nom de telle ou telle personne, pas forcément pour avoir de l'argent, mais juste pour être reconnaissant envers ces personnes-là. Voilà. Zekendi, toi, quand il y a lieu que tu chantes le nom de quelqu'un, voilà, quelles sont les raisons au fait? Si vous voyez que je chante le nom de quelqu'un, c'est pas l'essentiel qui me donne l'argent. Okay. Moi, j'ai chanté le nom de Abdul Service, le prince Hakim, sans même le connaître. Bon, j'entends le nom, mais je ne l'ai jamais vu face à face. Mais déjà, ce qu'il fait pour les autres, moi, ça me plaît. Ce qu'il fait pour le pays, ça me plaît de chanter à leur nom. Okay. C'est une question. C'est ma manière de leur dire merci. Parce que quand ils l'ont fait pour les gens. Voilà. Donc, c'est pas forcément quand ils chantent le nom de quelqu'un. Pour ceux que moi, je chante, comme tu as fait pour le voisin, le vieil, il chante aussi ton nom. Peut-être qu'un jour, si tu vas faire pour moi. Ah, d'accord. Moi, je chantais pour Jack, il ne fait jamais rien pour les gens. Non, mais effectivement, ma question vient de là. Est-ce qu'au fond, c'est pas aussi. En fait, si ta chanson si ta chanson connaît la notoriété et que ces personnes-là écoutent bien la chanson, et peut-être ils vont chercher à te connaître, ils chercheront aussi à te remercier. Oui, quand on fait plaisir à quelqu'un, la personne aussi doit te récompenser. Mais moi, je n'entends pas que la personne me donne quelque chose pour que je le fasse. Ok, d'accord. Et parlons de reconnaissance, on a tous besoin de dire merci à quelqu'un, hein, pour le stade où on est aujourd'hui. Ashpacino, t'as envie de dire merci à qui? À Dieu d'abord, et à mes parents qui m'ont donné le souffle de vie, même s'ils sont plus sur cette terre. Je pense qu'ils sont fiers aujourd'hui de voir que leur fils a grandi et il fait la fierté des Rapadem là-bas. D'accord. Merci, papa et maman. Voilà. Bon, je dirais merci à toute l'équipe de Tree TV pour l'invitation. Et merci à tous mes fans, à tous ceux qui me connaissent, qui me soutiennent du près, de loin. Voilà, merci. T'as pas de parrain en particulier à remercier? Bon, c'est si on va citer les parrains, ça sera vraiment difficile. On risque de faire deux morceaux. C'est dur. Alors, les gars, on va quand même utiliser la guitare de Zakenzi qui est sur le plateau. Depuis, je sens qu'il essaie de grincer, mais il fait les signes. Bah, oui, ma chérie, je suis venu avec guitare sur ton plateau. Je suis venu avec guitare. Et comme on a un slammer, je sais que le slam, c'est de la poésie. Ouais. Chanter, ça, non? Ouais, de l'instru. J'ai bien appris mes coups. Donc, Zakenzi, tu fredonnes. Et puis, Ashpacino va nous donner quelque chose. Puis, ça, on va se laisser. Ben, on va faire featuring en live. Allez-y, on va sur un thème du 30 et 31 octobre passé. On va essayer de. Ok, vas-y. On va essayer. On va aller, les gars, allez-y. Faites-vous plaisir. Oh merde. Et désaccordé. Oh là là. Vous pouvez y aller? Non, il faut que j'accorde ça. Ah d'accord. Bon j'ai dit vous deux là. C'est pas bien. Ne nous fatiguez pas. Non, mais il joue, moi, ma voix est déjà accordée. La voix est déjà accordée. Vous êtes trop grave. Sinon, les gars, pour tout booking. Pour tout booking, un contact. Moi, c'est le 76 19 69 35. Le 76 19 69 35. Les petites groupes peuvent appeler. Non, de grâce, pas de bip. C'est le numéro de mon manager. C'est le numéro du manager. D'accord, Zakenzi et toi? 75-96. T'as pas à te gêner pour la guitare, y a pas de problème. On va le faire dans les premiers. Si j'avais prévu à faire. Bon, d'accord, quand même. Dis-moi. C'est les 75-96-65-26. Ok. Merci une fois de plus d'être passé sur le plateau du Mike 12. Merci d'être venu. Il y a Miss Beauté qui est dehors et nous dit ah, je suis prête à prester. Parce qu'aujourd'hui, elle a décidé de nous jouer son meilleur titre. Hein. Et c'est les femmes et les ongles. Pour ça, elle a sa danseuse particulière. On a trouvé une danseuse spéciale pour elle aujourd'hui. Oui, il s'agit d'une artiste hors pair. Elle va venir défendre. Il paraît que c'est pas toutes les femmes qui adorent les faux ongles. Comment? Pourquoi? Non, les ongles font partie de la femme. Mais ça, la danseuse l'a dit. Elle n'aime pas les faux ongles. Elle va nous montrer pourquoi elle n'aime pas les faux ongles. Pendant qu'elle s'installe, nous, on va savourer, oui, ce délice de H. Pacino.
Papstar a fait le son. J'ai reçu une médaille ce matin. Pas celle des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de foot, ni moins d'un championnat de karaté ou de gymnastique. À cette remise, il y avait du monde. Parents, amis, collègues et anonymes. Dans cette mêlée de visages, certains masques faciaux étaient éteints par les larmes et d'autres fissurés par la tristesse. À l'ombre mortuaire d'un arbre, on consolait ma femme. Aux premières loges, il y avait des personnalités de haut rang, ministres, soldats et hommes politiques. La fanfare assurait l'animation de cette cérémonie à la coloration pathétique. À la queue leu-leu, chacun venait faire étalage de sa rhétorique, épulsant ma bravoure, mon abnégation au travail, mon sens du devoir. Ce matin, c'était mon instant de gloire. Cette panacée de fierté et de solitude enivrait mon âme, car ma joie était singulière et ma personne au sein des siens paraissait étrangère. Ma femme versait des larmes, sûrement des larmes de joie, car son mari était un héros. Mais pourquoi ne me prend-elle pas dans ses bras? Pourquoi je ne suis pas félicité par mes amis et parents? De la phrase « Tu es né poussière, tu retourneras poussière », j'ai compris. Oui, j'ai compris que je n'étais plus de ce monde. Hier, j'ai pas rêvé. J'ai vraiment été fauché par la mort. Je me souviens de ces hommes qui, avec leur calache, nous ont fait front. Je me souviens de mon arme qui s'est enrayée en plein combat. De mon binôme qui implorait les dieux d'ici-bas. Je pouvais prendre la poudre d'escampette, mais que vaudrait notre devise, la patrie ou la mort nous vaincrons. Face au bonheur de ma patrie, ma vie n'est que frétin. Alors pour elle, il fallait que je repousse ces mutins. Ma patrie, c'est pour toi que je suis mort. C'est pour toi que ma vie devant la mort a eu tort. Nous sommes des super-héros, mais personne ne le remarque si ce n'est qu'au jour de notre mort. C'est donc une médaille pour mon acte héroïque. Mais cette médaille, je n'en veux pas. Vos honneurs, je n'en veux pas. Car plus d'attention à notre égard aurait pu éviter cette boucherie humaine. Nous sommes des vaillants soldats, prêts à mourir pour le drapeau. Mais le courage seul ne suffit pas pour maintenir haut le flambeau. Je vous implore. Alors, c'est l'heure maintenant de danser, oui, avec Miss Beauté. Et aujourd'hui, elle nous sert son titre « Les femmes et les ongles ». La danseuse qu'on a trouvée s'appelle Mira Tichy. Belle, talentueuse, élégante et aussi bonne danseuse que loveuse et chanteuse. On la retrouve maintenant dans l'instant beauté. Alors, on cherchait pour une femme, pour une fois de notre vie, une femme qui détestait les ongles. On a fouillé, fouillé, tourné, tourné. Et franchement, 99,99%. On a trouvé que 0,9. C'est tombé si miracle. Bonjour à toi et bienvenue. Merci, bonjour. Ça va bien, Manel? Ça va bien, je suis super bien. Dur soir, c'est frais. Je te dis. Voilà, alors, Mira, les femmes et les ongles, franchement, dis-nous, qu'est-ce que je te plais pas dans l'onglerie? Normalement, une femme, ce sont les ongles, c'est l'esthétique, c'est le beau, c'est le chic. Oui, effectivement, mais moi, ça me gêne en fait, parce que j'aime pas trop quand je porte les ongles. Ça me dérange sur beaucoup de choses en fait. Si j'arrive pas à bien travailler, faire le ménage, tout ça, et moi-même, ça me gêne en fait, quoi. Voilà. Même pour me laver, c'est tout un problème, voilà. Donc, j'aime pas, ça me dérange en fait, quand je porte les ongles, ça me dit. Je porte, oui, mais c'est dans des moments très rares, au fait. Voilà, c'est très rare. D'accord. Alors, vous, les garçons, déjà, est-ce que vous kiffez les filles qui portent les faux ongles? Ouais, moi, je pense que les ongles, bon, même si ce qu'elle avance est très normal, pour une femme africaine, les ongles, c'est difficile si tu dois cuisiner. Et tout ça, mais moi personnellement j'aime les ongles, hein. Je les adore parce que ça fait signe de coquetterie, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est chic. Et voilà, il semble qu'avec les ongles, même aussi, ceux-là qui sont dans l'univers de la séduction, avancent qu'avec les ongles, il y a aussi des astuces. Tu vas être ça. Vous là. Tu vas être ça. Non, mais. Dégage, toi. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Parce que déjà, même, c'est quoi? On les appelle les faux ongles. Pourquoi aimer ce qui est faux? À la base, pourquoi aimer ce qui est faux? Déjà,
l'utilisation même de ces faux ongles-là ont des conséquences très néfastes. Dieu nous a donné des ongles, tout naturellement. Il faut remarquer, toutes ces filles qui ont l'habitude de mettre ces faux ongles-là, elles n'ont même pas de bons ongles naturels. Mais justement, voilà, puisque je n'ai pas de bons ongles naturels, j'ai recours aux prothèses angulaires. Est-ce que ça me permet en tout cas de toujours garder ma féminité? C'est à force de mettre les faux ongles que tu as, les faux ongles que tu as maintenant des faux bons ongles. Oui, c'est ce qui détruit. Mira, toi par contre, est-ce que c'est pas parce que tu as un petit côté bad girl en toi que tu kiffes pas vraiment les faux ongles? Bah ouais, on peut dire ça aussi, mais ça me gêne aussi. Ça me gêne parce que c'est pas mon truc, quoi. Voilà, j'aime pas aussi. Et mettre les faux ongles, à un moment, tu es obligé d'appeler pour venir laver les habits. Ah, mais chérie, j'ai mis les ongles, écoutez, je peux pas. Écoutez, pour moi, laver les habits, ça ne tient pas. Il y a forcément peut-être des personnes aussi pour laver des habits. Voilà, même si. Oui, si ta femme, elle a mis des ongles, si tu aimes les ongles, si elle donne comme raison, je ne peux pas laver les habits parce que j'ai mis les ongles. Moi, pour moi, les ongles, c'est beau. Et si tu vois, c'est séduisant. Donc, si elle ne peut pas laver les habits, on va trouver une personne pour laver les habits. Il y a de la pressing. Et Mira, de manière circonstancielle, quand tu mets les faux ongles, tu optes pour quelle longueur? Court. Très court. Oui. Et quelle couleur de vernis? Jaune. Jaune. Rouge. Ah, tu mets les choses floues. Bon, voyons, hein. Jaune, rouge. Mais pourquoi le rouge, c'est plus... Donc, tu rejoins Jacken, c'est séduisant, hein, quand tu mets le rouge. Et que tu ne peux pas voir bébé, tu fais ça. Non, c'est pas le cas au fait, mais c'est pour faire la différence souvent. Ah, donc tu rejoins Jacken pour dire que souvent quand on met les faux ongles, c'est pour séduire, ça attire au fait. Mais c'est très rare chez moi. C'est effet de mode, faut le dire, mais à un moment ça ralentit également les croissances de vos ongles naturellement. Oui, ça c'est beau. Non, mais en fait, je vous l'avoue en fait. Je vous l'avoue. S'attarder ce qui est beau qui va vous détruire. C'est bon. Un joli garçon qui va te donner du goût, mais Lynn, tu vas pas t'aventurer également. Alors, les goûts et les choix ne se discutent pas. On a juste pour vous le prouver que toutes les femmes n'aiment pas les faux ongles. Et on a cherché, on a trouvé. L'artiste Mira nous l'a démontré, elle n'aime pas les faux ongles. Jacken, lui, il adore les ongles. Lui, il dit que c'est féminin. Like, voilà. De Roche, par contre, lui, dit que ça ralentit la croissance des ongles. Les goûts, les choix se disputent pas. Moi, de nature, bon, moi, j'aime bien les ongles, mais franchement, j'ai vraiment pas le temps parfois. Quoi. Donc, sinon, j'aime bien. Ça fait féminin. Tu n'aimes pas. Si tu aimais la challenge, tu allais avoir le temps pour ça. Laissez-moi tranquille. Alors, fin de liste en mots. On va s'intéresser rapidement à la carrière artistique de notre invité. On oublie pas que tu es une très bonne chanteuse. Merci. Moi, j'aime bien ton titre « Fruits de mer ». Mais quand je regarde l'album, c'est que tu as fait le remix de « Fruits de mer ». En fait, il y a quoi dans « Fruits de mer » qui t'a donné l'envie de refaire encore un remix? Au fait, comme là-bas, je parle de l'amour. Donc, du coup, quand je l'écrivais, moi, j'ai eu beaucoup de sensations. Pas que c'est une histoire personnelle, mais... c'est pas une histoire personnelle, mais ça m'a trop dit à pas... Je suis pas pervers, mais ça m'a trop pénétré la chanson. En fait, parce que d'accord. Ça m'a beaucoup plu. Et après, dans les 9 titres, quand j'ai vu, c'était ça, au fait, que je voulais faire le remix. Alors, on ne peut parler aujourd'hui de Mira sans parler de Mamoudou Kouré. On se demande, c'est qui pour toi, qui est cette dame? Oh, c'est une mamie que j'adore vraiment, que j'admire parce que elle a beaucoup fait pour moi. Et pour ma mère, voilà, dire que c'est pas la famille, mais c'est devenu comme la famille. C'est une femme vraiment qui a toujours été là pour moi. Voilà, comme c'est ma grand-mère et c'est ma marraine en même temps. Ok, voilà. Et c'est le cas pour Bilgo, parce qu'on regarde tout ton album, c'est le seul avec qui t'as fait un featuring, hein. Non, il y a un petit qui chante Sibi Kishoko, la solidarité. Ah, il y a d'accord, ça aussi. Mais faut le parce qu'on n'entend pas savoir Sibi Kishoko, c'est son ou la solidarité, c'est le titre, voilà. Alors, donc avec Bilgo, moi j'ai bien kiffé avec Bilgo. Okay. Et un autre titre qui m'a plu, c'est Anniversaire. Cependant, c'est mon coup de cœur, franchement. Mais il est cadeau là, c'est forcé. Cadeau d'anniversaire, est-ce que c'est forcé là, c'est obligé, non? Ah non, pas du tout. C'est pas forcé, j'espère. Non, d'accord. Pas du tout. Non, parce qu'on pensait que c'est ce que tu pensais en vrai, quoi. Ouais. On pensait en vrai. Quand il fait ton anniversaire, c'est obligé. Voilà, on s'est dit que bon, comme elle a chanté ça, peut-être qu'en vrai, c'est ce qu'elle pense. Si tu viens à l'anniversaire de Mira, que tu vas pas envoyer cadeau, peut-être que tu vas pas bien manger. Non, tu vas bien manger. Ouais, tu vas bien manger. C'est pas obligé. D'accord, je merci. C'est nous, ça nous reste. C'est semblant. Semblant. Quelle a été l'inspiration? Ça, c'est l'actualité. Ça c'est mon actualité. Voilà, Semblant, c'est ce que j'ai vécu après la sortie de mon
premier album en 2018. Mm-hmm. Ce que j'ai vu dans le milieu, ce que j'ai vu, voilà, ce que les gens m'ont apporté. Bon, il y en a qui ont été vrais, il y en a qui ont été faux. Mm-hmm. Donc, c'est sur ça que je me suis basée pour faire. Mais tu n'es pas resté dans le juste milieu. Là, tu dis que ça. Y a, quand tu dis semblant, c'est une position que tu prends. C'est pour dire que. Et tous ont fait semblant avec toi. Voilà. Ils ont fait plein de promesses et puis il n'y a rien qui se. Bien sûr, il y a ça. Il y a beaucoup aussi qui ont voulu m'aider, mais ils n'ont pas, ils l'ont pas fait. D'autres l'ont fait par hypocrisie. Et moi, je dis, j'ai bien su et je suis au courant de ça, mais je vous accepte comme tel. C'est pas obligé que moi aussi je sors comme vous voulez. Ok. Et semblant aujourd'hui, qu'est-ce que les fans de Mira pensent? Bien, parce qu'ils disent que au moins j'ai parlé des hypocrites et donc j'ai bien fait. D'accord. Alors Mira, pour tout booking Mira. Pardon? Pour tout contact. Ok, vous pouvez nous rejoindre au 72 mm-hmm. 61 61 10 à la fin. D'accord. Voilà. Mira, merci beaucoup d'être passée sur le plateau. Je vous en prie. Bonne chance pour la suite. Merci. Mira, dis-moi au passage, tu es en autoprod? Ou une maison de prod maintenant? Parce que même ton producteur, c'est semblant aussi, il va. Non, pour l'instant, c'est un autoprod. Voilà. Le producteur fait semblant aussi, mais il ne fait pas semblant. Non, il ne fait pas semblant. Il le fait. Non, ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. Alors, fin de la prestation de Miss Beauté, c'est l'heure maintenant d'aller pour l'afterwork. Et ce sont les couloirs des assiettes du MAG qui nous accueillent. C'est drôle et bon. Mineur, je flotte avec la folie. Peut-être que je deviendrai plus tard. Maman veut pas que je traîne le soir. J'ai rêvé d'être une actrice comme Regina Daniel. Inch'Allah, tout ira bien, bien. Inch'Allah, tout ira bien, bien. Tout ce que Dieu fait est bon, bon. Inch'Allah, tout ira bien. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et quand Dieu dit oui, il est clair que nul ne peut dire non. Sa volonté avant tout, tout. J'attache ma ceinture. Oui, je l'attache. J'attache ma ceinture. Pour toi, pour le futur. Pour le futur. Pour toi, pour le futur. J'accroche ma ceinture. Oui, je l'accroche. J'accroche ma ceinture. Alhamdoulilah, moi je suis plus dans la haine. J'attache ma ceinture. Saint Saint-Philippe, j'attache ma ceinture. Depuis Abidjan. Le Burkina Faso regorge de nombreux talents, on adore par ici. Alors, vous savez bien, manger c'est bien, mais savoir cuisiner, c'est encore mieux. C'est sa devise à elle. Et c'est l'heure de faire l'afterwork de notre concert. C'est parti, place, il y a du mag. Bonjour chef Christos. Bonjour Lynn, bonjour les gars. Bonjour. Allez, comme tous les jours, on a droit à une recette assez atypique. Oui, aujourd'hui on va découvrir une recette d'un tubercule qui est un peu au Burkina Faso, qu'on trouve actuellement sur le marché. Et je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le fabirama?
Fabirama. Oui. Fabirama. Le nom en français, c'est Fabirama. En fait, il n'habite pas dans ce quartier. Bon, Fabirama. Mais d'accord, le nom. Okay. Le titre d'une chanson. Sénégalaise. Oulof. Fabirama. Tu es devenu fou ou quoi? Non, c'est pas ça. Fabirama. En fait, le nom Amoré, peut-être si je le dis, vous allez comprendre. Ah, oui, oui. Amoré, on appelle ça Pesa. Ah oui, là. Et Anjula, Fabirama. D'accord. Il faut que, il faut dire que c'est un petit tubercule comestible qui a un peu, qui rappelle un peu le goût de la pomme de terre. Et comme c'est la période présentement, on a décidé de vous montrer une autre manière de préparer le Fabirama autre que faire bouillir avec de l'eau et du sel. Il s'agit de la recette de Fabirama sauté à la viande hachée. D'accord. Alors, pour préparer cette belle recette, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Il nous faut bien sûr le Fabirama nettoyé. Je vais vous expliquer et puis vous donner des astuces à la fin comment nettoyer le Fabirama. 400 et 500 g de Fabirama nettoyé. 400 g de viande hachée, 3 gousses d'ail, 2 oignons hachés, 2 tomates fraîches, et un morceau de gingembre frais pilé facultatif, une noisette de beurre et un bouquet de persil et de coriandre hachés, du sel, du poivre, du paprika et un peu d'huile. D'accord. Alors pour la cuisson? Pour la cuisson, c'est simple. Et frottez d'abord votre Fabirama que vous allez ensuite détacher la peau noire et bien le laver et faire bouillir quelques minutes afin d'attendrir un peu le Fabirama. Ensuite, vous essorez et vous mettez maintenant, vous faites frire à l'huile. Après avoir fini de frire le Fabirama, vous réservez de côté. Pendant ce temps, vous prenez votre casserole et vous ajoutez un peu de beurre et faites revenir les oignons et tout ce que nous avons comme ingrédients, la tomate, les persils, l'ail. Et vous ajoutez ensuite la viande hachée préalablement précuite que vous allez mélanger. Et vous laissez mijoter au moins 15 à 10 minutes. Et après, vous rectifiez l'assaisonnement, vous salez, vous poivrez. Vous ajoutez un peu le paprika, voilà. Et puis, vous mélangez encore, vous laissez mijoter 5 minutes. Et enfin, maintenant, vous prenez le Fabirama que vous avez déjà frit. Vous mettez à l'intérieur et puis vous mélangez. Vous rectifiez encore une dernière fois l'assaisonnement, vous refermez, vous laissez mijoter à feu doux et vous obtenez votre Fabirama sauté à la viande hachée. Les garçons, à mon nom, C'est cuit, à mon nom. Attendez, le père d'Aloa, il est où? Le père d'Aloa. Il a commencé à construire. Alors, l'astuce pour terminer l'assiette du mag. Ok, comme je l'avais dit, le Fabirama, le nettoyage, ça prend vraiment du temps. Mm-hmm. C'est pas sauge. Aisé. Donc, nous, on vous donne quelques astuces pour nettoyer vos Fabirama si vous voulez essayer la recette qu'on vient de vous expliquer. Alors, la première astuce, c'est quoi? C'est faire bouillir vos Fabirama à mi-cuisson que vous allez ensuite essorer, les laisser refroidir et un à un enlever la peau noire et puis laisser le Fabirama et nettoyer avant de commencer la cuisson. La deuxième astuce, c'est l'astuce de grand-mère. Et comme quand je suis allée pour acheter le Fabirama, la dame là m'a expliqué, prenez votre Fabirama, vous mettez dans un sac de riz que vous allez bien attacher et ensuite vous essayez de lutter un peu avec le Fabirama qui est dans le sac comme si vous étiez en train de boxer ça. Et elle me dit aussi, on pourra le faire aussi en dansant. Voilà, on danse et puis on travaille en même temps. Et après, vous allez constater que la peau noire s'est enlevée. Et vous allez commencer à trier, vous les lavez et vous commencez à préparer votre recette. Donc, voici expliquer en quelques minutes notre recette du jour, le Fabirama sauté à la viande hachée. Et donner quelques astuces pour nettoyer vos Fabirama. J'espère que vous avez bien pris note. Essayez la recette chez vous. Et à la prochaine pour de nouvelles astuces et recettes. Merci Madame Aoudrago. De notre côté, on espère qu'on a mérité votre attention. C'est ainsi que le concert de la joie, de l'utile et l'agréable prend fin. Notre guest à la folie vraiment mérité sa place. Elle a vraiment eu raison de lutter pour faire partie du concert. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, bon à demain famille. Mes amis, écoutez.
j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Ah maintenant ça va, oh. Mes amis, écoutez, j'ai souffert,